Bon, moi non, la famille, la champion, c'est Fabien le pape, le fils Nick, d'abord, pourquoi est-ce que dit ça? Chut, et c'est calé, la Fabien gang, champion. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir à chaque fois de partager de belles vidéos avec vous, partager à chaque fois de nouvelles choses avec vous. Ça fait de plus en plus aussi plaisir lorsque vous likez, vous commentez, vous dites en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et vous laissez les maximums de pouces bleus. Partagez pour que la famille s'agrandisse. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est la base au fait. Et active la cloche. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur que j'ai découvert. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais vous savez bien que j'aime beaucoup parler aussi de cinéma. C'est mes deux passions dans la vie. La musique, le cinéma, même s'il y a un peu aussi d'humour. J'ai pas trop le sens de l'humour, ça j'assume pas trop. Aujourd'hui, je vais parler d'un acteur ivoirien, d'un jeune acteur ivoirien, pour ne pas dire un jeune vidéaste ivoirien, Oka Efraïm. Ils disent tous que nos rêves sont trop grands, trop utopiques, et qu'il faudrait qu'on redescende sur terre. Bon, vu le titre, beaucoup vont dire que je l'ai trop lancé loin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous mettrai son lien de sa page Facebook en description. Et il va vous parler un peu de lui aujourd'hui. Oka Efraïm est un vidéaste ivoirien. Et il est un grand passionné de cinéma, bien sûr. Et lorsque tu vas sur sa page Facebook, tu vois que c'est Will Smith qui est sa couverture. C'est-à-dire que c'est lui un peu qui est son idole. Et le mec, il a commencé des vidéos. Ce qui fait sa particularité à lui comparé aux autres personnes qui font des vidéos, ne pas les autres vidéastes ivoiriens, c'est que lui, lorsque tu regardes ses vidéos, t'as l'impression de regarder une vidéo de Willem. Pourquoi? Il essaie de mélanger un peu d'humour, quelques vannes, quelques fois, passer des messages et aussi, deux fois, donner, qu'on appelle des sensibilisations à travers ses différentes vidéos. Il y a des vidéos où tu peux regarder, te marrer de ouf parce qu'il y a des blagues, deux fois assez pourries, des vannes assez pourries. Oh, la Côte d'Ivoire, moi, il te dit que je suis pas fan de toi et quand je vais te faire passer le poisson, tout. Ah, il y a qu'à des bacs à balancer. Ouais. Ou comme il y a des vidéos que tu regardes et à chaque fois tu rencontres qu'il y a un message caché dans des vidéos. Par exemple, j'ai vu regarder une vidéo où il parle un peu de l'amitié et autres. Et si t'as pas suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, ce sera difficile pour toi de comprendre. Mais le message est véritablement fort. Et lorsque je serai triste, lorsque j'aurai besoin de pleurer, je pourrai toujours compter sur tes épaules pour déverser mes larmes. J'ai assisté une fois à un tournage de l'une de ses vidéos et j'étais surpris de voir qu'en fait, il fait toutes ses vidéos avec un téléphone portable. Vous voyez un peu le rapport que je veux dire avec Willem, non? Vous voyez un peu? Willem fait toutes ses vidéos avec un iPhone. Bon, il fait pas des vidéos avec un iPhone, mais ça reste toujours un portable. Lorsque tu regardes la qualité des vidéos, la qualité du montage, parce que le monteur fait un super beau boulot. Franchement dit, le monteur, il fait un truc de ouf, un truc de malade. Quand tu regardes ces deux trucs, véritablement, tu te rends compte qu'il y a un gros travail derrière. Et lorsqu'il n'est pas face caméra, il attrape aussi la caméra, comme Willem le fait aussi. Et en plus de cette deux points. Vous ne pouvez pas dire qu'il filme avec un téléphone, qu'il est souvent aussi derrière la caméra. C'est lui, très souvent, qui écrit ses histoires. Et les acteurs, il n'a pas de groupe en tant que tel, mais il a un groupe d'amis avec qui il fait ses vidéos et les personnes le font gratos. Really? Lorsque je dis qu'ils le font gratos, ça veut dire qu'ils n'ont pas le salaire en tant que tel. Sinon, deux fois, il peut leur faire plaisir, manger ensemble et autres, mais ils n'ont pas le salaire en tant que tel. C'est plus la passion et autres. Et il ne fait pas ses vidéos sur une plateforme YouTube qui est encore en relation directe avec Willem. Donc, le mec, il fait des vidéos avec son téléphone. Deux fois, partie des personnes qui font cadrage, pour ne pas dire qu'il a avec celui qui cadre. De trois, il n'est pas sur YouTube. Quel autre vidéaste vous connaissez qui fait ça encore? Et le mec, il fait des milliers de vues sur Facebook. Pour dire à quel point il a déjà commencé à se faire une grosse communauté. Faire le rapport entre lui et Willem, beaucoup de personnes m'ont dit que j'exagère un peu, j'essaie un peu de trop abuser autre. Mais franchement dit, pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, allez regarder cette vidéo, vous serez surpris de ouf par la qualité de l'écriture de ces différents scénarios. Les messages sont pas très souvent directs. Vous savez bien que moi j'aime faire des recherches chaque fois que je regarde un clip. Donc regardez ce genre de vidéo, pour moi, c'est comme à chaque fois manger un bon gâteau. Parce qu'à chaque fois, tu as un message à décrypter, un message à recevoir. Et il y a toujours à chaque fois des vidéos pour rigoler, pour ceux qui aiment bien l'humour et autres. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de musique, mais on a parlé d'une personne qu'on aimerait découvrir ensemble. Chaque fois ou chaque semaine, on aura toujours un artiste à découvrir. Et pour la première vidéo découverte d'un artiste, on découvre Oka Efraïm, vidéaste ivoirien qui fait de super vidéos sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Je vous ai mis quelques extraits et autres que vous avez pu voir et autres. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos, lui donner le maximum de ses efforts, donner des encouragements pour ceux qui maîtrisent déjà le domaine et si possible, faire en sorte que Willem puisse le voir. En ça, la prochaine fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, on pourra peut-être discuter avec lui. Faire une vidéo ensemble, ça sera véritablement un gros kiff de voir un potentiel énorme. Sur ce, ça fait plaisir à chaque fois de voir partager de nouvelles vidéos. Ça fait un nouveau type de vidéo en plus sur la chaîne. Découverte d'un artiste. L'artiste, il peut être aussi bien musicien, chanteur, footballeur, acteur, humoriste, peu importe, viner. N'hésitez pas à chaque fois à me suggérer des personnes que vous aimeriez qu'on fasse des vidéos sur eux pour faire découvrir à toute la communauté. Sur ce, allez voir Oka Efraïm, le lien de sa page Facebook est dans la description. J'étais très heureux de faire cette vidéo.
Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez au maximum. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo. Je prépare FAQ. Restez abonné. Suivez-moi sur Instagram. Tout se passe là. Sur ce, on se tient pour la prochaine vidéo. Bye. Cordialement, Jeff. Il faut finir pour faire photo comme les Américains d'une manière. Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub. Archie Dupont des ailes sans voix de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archie Dupont débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.